Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous t'aimes bien ma coupe, papa. Moi, j'aime bien ma coupe. Voilà, j'ai fait une petite coupe sympatoche, quoi. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous? Bref, voilà, on est dimanche. Qui dit dimanche dit journée pépouze, dit tout est pépouze. La vie est pépouze. Papa, il est pépouze. Amira, elle est pépouze. Ça va, Amira? Amira? Bon, on regarde sa table, t'as regardé YouTube. Et papa, il regarde la télé. Bah, lourd. Regarde la télé, regarde ouais, y a rien à la télé là. C'est la misère. Ça marche pas. Du coup, là, papa, tu vas nous préparer quoi pour ce soir à manger là? Parce que là, moi, il est déjà faim là. Là, j'ai déjà faim. Voilà, là, je viens de manger déjà. Franchement, je sais pas encore. Il sait pas ce qu'il va préparer à manger. Et si ça, c'est pas une honte, franchement, vraiment, c'est grave. Hein. Vraiment, c'est très, très grave. Bref, du coup, je crois que c'est la journée. Beaucoup, ah non, franchement, cette coupe elle est lugubre. Ah, vraiment, j'ai même pas fait exprès. Regardez-moi ça. Ah, il est là le panier. Vas-y. C'est le panier. Vas-y. Ça va, il est pas cassé. Ah, il est pas cassé. Tu vas mettre tes bottes? Oui. Allons-y. Allons-y, je vais te dire. On met les petites chaussures pépouze. Attends, sous mes chaussures, viens. Ah, elles sont là. Attends, mais elle est assise dessus. Enfin, elle est dessus. Voilà. Merci beaucoup, Amira. Merci. En plus, aujourd'hui, il fait plutôt beau. Hein. Franchement. Il fait plutôt beau. Du coup, je pense que les poules, elles ont fait des œufs. Vas-y, je t'attends, t'inquiète. Hein. Vas-y. Qui dit soleil, dit belle journée. Qui dit belle journée pour les poules aussi. Qui dit belle journée pour les poules, dit à l'aise. Donc, elles sont à l'aise pour faire des œufs. Normalement, d'après mes calculs, il y en a 4. Et ouais, normalement il y en a 4. On va voir ce qu'il y a dedans. Je te laisse ouvrir, Amira, en premier. Allez, vas-y. Oh, wesh! Il y en a 6. Il y a 1, 2. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Vas-y, Amira, mets-le dans le panier. Alors là, vraiment, là c'est un stock pour tout le week-end. Là. Pour tout le week-end. Pour toute la semaine plutôt. Mais c'est une dégâts ici, ça fait combien de temps? Mais même hier on est allé voir. Wesh. Ça passe vite, hein. Je sais même pas si c'était hier ou avant-hier, mais quand même 6 œufs. C'est bon, Amira, montre. Regardez comment il est rempli le panier. Alors là, franchement, Amira, t'es pépouze. Hein. Elle va casser ça. Ouais. On va montrer ça à papa? Non, mais wesh, c'est une dinguerie. Oh, oh, doucement, mais oh non! Oh, regarde, Amira, elle est tombée, elle a fait tomber un œuf. Oh, c'est pas grave, Amira. Regarde, celui-là, il est cassé ou pas? Ça. Non, il est pas cassé. Ah, il est un peu cassé, mais ça va, allez, on le met là. Ok. Par contre, lui, il est cassé. Non, c'est bon, touche pas, on va nettoyer après celui-là. Non, Amira, touche pas, touche pas, touche pas. On va nettoyer après, vas-y, vas-y, lève-toi vite. On le montrera pas comme ça, après, on nettoie l'œuf. Bon. En fait, pendant que je suis en train de tourner la caméra, elle est tombée par terre. Bon, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Un œuf. Bref, du coup, je disais, hier, rien qu'hier, je crois, on est allé voir les œufs. Ça passe vraiment trop vite. Je sais plus, c'était hier. Et il n'y en avait pas beaucoup. Et là, il y en a eu 6. Elles en ont fait 6, papa. Ouais. Mais elle en a fait tomber un. Malheureusement. Attends, le gars, il l'a cassé. Ah, vas-y, va le montrer, va lui montrer. Ok, la question. Ah, il y en a deux qui sont encore cassés. Ah, touche pas comme ça. Mais on en a fait casser un vraiment en fait. Hein. Il y en a qui sont complètement par terre. Non, mais c'est pas grave. C'est grave ou pas, tu penses? Non. Mais il y en a un dehors, vraiment, on l'a fait tomber. Pourquoi tu l'as pas ramassé? Parce que j'étais à la caméra, je voulais ramener les œufs en premier. Ah ouais? Bah, pas mal, hein? Bon, mais congratulations, hein, franchement, incroyable. Pas mal, hein. Bah, 6 quand même, moi. Ouais. Alors, c'est où qu'on les met là? Je pense que je vais aller nettoyer l'œuf qu'elle a fait tomber, du coup. Il est là, l'œuf. Du coup, on va le prendre gentiment. Voilà. Ça va pas dégouliner partout, quoi. On est pépouze. Et on va gentiment le jeter à la poubelle. C'est quoi là, mon maître? Hein? Niam-niam. Ah, c'est journée tacos! Vamos! Pardon, Amira, pardonne-moi. Vraiment, Amira, je suis désolé. Tu me pardonnes? Tu me pardonnes, Amira? Allez, pardon, s'il te plaît.
Elle me pardonne, ça va, elle a dit oui. Ouais, j'ai la tête d'un footballeur là. Hein? Ah, oh, ben merci, alors ça va. J'ai la tête d'un footballeur, je sais pas comment il s'appelle, c'est le Turc là qui joue à Leicester, je crois. J'ai oublié. Bref, regardez, là il y a les tacos. Et là il y a les fit. Là il y a quoi là? Non, mais c'est une plaisir de voir ça. Ok. La soupe pour son monstre. Je connais, Pépouze. Il reste combien de temps? 15 minutes. Hein. Ah ouais? 15 minutes, ça passe très vite quand même. Hein. Là, j'ai l'impression carrément c'était. Waouh, il y a 20 minutes, on venait de manger le matin. Quoi. Ça passe très vite. Et bientôt, c'est la fin du ramadan en plus. Alors, ça, c'est incroyable. Bientôt, c'est la fin, alors que ça fait. Ça va bientôt faire 3 semaines là. Je savais pas, j'avais pas remarqué tout à l'heure, ils me l'ont dit, mais regarde, en fait, elle s'est coupée les cheveux toute seule. Regarde. Hein. Attends, c'est chaud là. Attends, bouge pas. Regarde. Pourquoi tu t'es coupé les cheveux? Parce que je fais tout seul. Pourquoi t'as fait ça? Parce que je fais tout seul. Elle s'est coupée les cheveux toute seule, va comprendre pourquoi. Attends, c'est là, c'est chaud. En vrai, ça va. Heureusement, elle s'est pas fait chauve, mais. J'avais pas remarqué au début. Je me suis dit quand même aussi, elle a pas la même tête et tout. Mais bon. Tranquillement. Bref. On est le jour numéro combien là? On est bientôt le jour, on est bientôt à la fin du ramadan. Du coup, c'est bien. Ouah, attends, j'ai une touffe de cheveux là, j'ai même pas remarqué. J'avais beaucoup. Tu joues à quoi? Regardez comment il fait noir, mais wesh. Faut allumer la lumière, hein. Et tu joues à? FIFA. Avec? Personne. Non, avec Cristiano Ronaldo du coup. Ah oui. Regardez, il a un écran 360 Hz pour jouer à FIFA. En mode arène. En mode arène en plus. Mais ça sert à quoi, frère? Regardez. Franchement, s'il a pas un setup Pépouze là, il a écran 360 Hz, sa PS5, son gros PC, son lit. Est vraiment un truc de geek. Hein. Vas-y, montre tes talents là. Vas-y, on va voir. Oh là là. Ouah, mais comment t'as, comment t'as fait? Mais c'est pas possible, tu m'en. Non. Il a même une grosse bouteille. Attends, quoi? Quoi? Pourquoi t'as une bouteille d'eau? C'était hier ça. T'as bu pendant Ramadan? Non. Tu bois en cachette? T'es fou toi ou quoi? Mais non. Et regarde, il a terminé la bouteille presque. Il a presque terminé la bouteille. C'était hier ça. Mais tu t'en rends pas compte, je crois. Tu sais que j'ai pris hier ça. En plus, on dirait que tu peux faire des muscles comme ça. Moi, du matin. Ouais, mural cri. Bref, moi je vais te laisser avec ton setup gaming. Okay. T'es chaud en échange d'écran? Non. En fait, moi j'ai un écran 60 Hz. Et lui, il a un écran 360. Et franchement, je kifferais avoir cet écran là, vraiment, vous rendez pas compte. Genre, rien que sur le fait que là, il est des pieds comme ça, genre. Tout fin. Bref. Hassoula. Bon, on attend. Je pense que c'est une belle chambre, moi j'aime bien ta chambre. J'aime bien l'ambiance de ta chambre. Merci. Manger quoi? Éventuellement feu. Et là juste à côté en plus il y a la chambre à Mira et franchement. Qu'est-ce que t'en penses du lit? Ah, oh, il est bien là. Ah, il est dur. Il est bien ou pas? Attends. Oh, en vrai ça a l'air confortable de fou. Ça va arriver. Moi je pourrais dormir là. Oui, il est trop bien. T'as vu, il est incroyable. Alors, moi ce que j'aime sur le lit c'est que genre t'as des côtés là. Il y a un mur là. T'as ça ici. C'est tout petit, du coup en fait c'est trop. Ah! T'as capté. Non, franchement, c'est stylé. En plus, c'est marqué Amira, la princesse, genre. Alors que c'est pas la princesse. Comme ça, alors que c'est Amara. C'est Tu fais quoi là? Tu tries les affaires à qui? Je trie les affaires. C'est Yves. On trie les affaires. Tu sais que c'est bientôt l'heure? J'ai caché. Donc là, faut être motivé. Là, moi, je vous dis, les petits potes. Moi, je vous dis, faut. Mais non, il reste une heure et demie, je pense. J'ai caché. Ouais. Ah mais il est où Samy? Attends, mais Amira elle dort pas souvent en plus dans la chambre. Ouais. Non, elle dort pas beaucoup. Je suis caché. Ah mais on a compris qu'il était caché l'autre.
Mais qui se regarde, regarde. Bah, t'en vois pas, je sais pas où t'es. Et je pense sincèrement, il va vouloir voler le lit d'Amira là. Je suis caché. Ah bon? Ouais. Oh, mais t'es où, Samy? 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 Attends, mais il est sorti de la chambre, c'est pas possible. Samy? Samy? Ah, il est là, je crois, Samy. Non, non, non. Ah, je t'ai trouvé. Tu as trouvé, bien joué. Il a bien joué. Ok. Il y a papa qui va préparer avec Samy le cours d'anglais aujourd'hui. Enfin, ouais. Plutôt Samy qui a préparé avec papa. Très pas, fort. Il est pas bleu. Et bah ouais, c'est vrai qu'il est pas bleu. Ça, faut le prendre en compte, ça. Du coup, il est pas bleu. On veut combien? On veut plein. Samy, il aime bien Sam, alors que moi, je suis pas très fan. On veut combien, toi? 6. Ah, 1 sûrement. Sûrement, j'ai ça, hein, de toute façon. Moi, je suis pas fan, moi. T'as du poulet, après. Ah, mais en fait, le problème, c'est que moi, j'aime pas trop le cordon. Mago Chikunaga. Alors, vas-y, comment tu fais? Voilà, Samy, je vais après à faire la vaisselle. La vaisselle? La vaisselle. Calme-toi, jeune homme. C'est bon. Qu'est-ce que tu fais, là? Ouais. On a papa, il a sorti le grand jeu là. Bah oui. Regardez-moi ça. Pourquoi t'as sorti ça? Pourquoi? Ça va quoi? Là-bas, il y a beaucoup de. Beaucoup de choses. Il y a pas assez d'espace quoi. Bah oui. Voilà. Du coup, tu vas mettre les cordons bleus que t'as fait. Ouais, exactement. Avec Samy. Voilà. Et tu vas le mettre dedans quoi. Exactement. Bah montre-nous tout ça. Vas-y, comment tu fais alors? Bah on laisse chauffer la poêle et puis après on va mettre. Ah, parce que c'est bientôt l'heure, les petits potes. Il reste 5 minutes, les petits potes. Est-ce que ça va être prêt avant la fin? Non, bah non. Non, aïe, petit pote. Amira, du coup, là tu dois choisir le numéro 19. Alors, on ouvre Amira, qu'est-ce qu'il y a de beau dedans? Oh, c'est quoi? C'est un parfum? Non. Alors, c'est un eau de toilette pour elle. C'est pour toi en fait. L'eau de toilette, il est pour toi, Amira. Alors que pour elle, c'est spécialement fait pour toi. Bravo. Franchement, Amira, c'est plutôt beau gosse. Hein. Oh, tu veux l'ouvrir? Attends, vas-y. Pourquoi? Pour le caca, la toilette. Non, ça c'est pour le. C'est comme le parfum. C'est marqué eau de toilette. Ouais, je sais, c'est pour ça. Attends, regarde. Toi, c'est Luc. Vas-y, Amira, tiens, regarde. Vas-y. Oh. Tu vas-y, ouvre-le. Ah, c'est comme ça. Vas-y, tiens. Ça sent bon? Oui. Vas-y, je vais sentir. Attends, vas-y, viens, je te le mets dans le bout. Vas-y, ça. Ça sent bon, Amira? En vrai, ça va, non, en vrai, ça va. Ça sent le fleur. Non, ça sent la fleur, ouais. Maman, ça sent le fleur. Franchement, le parfum, je mets 10 sur 10. Très beau cadeau, Amira, en tout cas. Bien choisi. Bref, comme je l'ai dit tout à l'heure, Amira s'est coupé les cheveux. Du coup, je pense que le parfum, ça va un peu embellir son visage et sa beauté. Mais sérieux, regarde. Attends, Amira, viens, regarde, montre. Regardez ses cheveux par Pitox, ses frères. Regardez. Comment, mais vraiment, elle les a coupés. Regardez devant. Mais pourquoi t'as coupé tes cheveux? Elle m'a dit c'est pour faire joli. Ah, bref. Du coup, moi, j'ai ouvert le mien. Numéro 19. Du coup, on l'open. C'est lui, je crois. Alors. Ah, déjà, c'est rond. Ah, je crois que c'est à faire au rocher. Attends. Ah ouais, c'était effectivement bien à Ferrero Rocher malheureusement. Pas de question aujourd'hui. Non, mais en vrai j'ai le seum parce qu'à Ferrero Rocher, j'aime pas en plus y faire au rocher. Et voilà, du coup Samy l'a ouvert, c'est quand même oublié. Ah, numéro 19. Non, c'est une question. Ah, c'est une question. Ah, c'est une question. Du coup, alors, pour quelle raison Allah nous a créé? Première raison, pour aller au paradis. Deuxième raison, pour l'adorer. Troisième raison, pour nous punir. Pour l'adorer. Eh, félicitations, Samy! Ouais, qu'est-ce que t'as gagné? Regarde, t'es prêt? 3, 2, 1, un Ferrero Rocher. Merci. Vas-y, mange-le pour moi. Pour voir si t'es content, vas-y. Mais j'ai pas trop envie de le manger. Bah pourquoi? J'ai pas faim en fait. Vas-y, mange-le. Pour prouver que t'es content, vas-y. Elle est pas obligée, hein? Si, bah pour prouver qu'il est content. C'est très bon. C'est très bon? Ouais. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu. Et nous, on dit gentiment. Bye. Peace. Love. Tu.